Bonjour à tous, on a eu enfin le DataDL du portail de GoNBeast, mais on a une mauvaise surprise, c'est qu'il n'y a pas de format de perte, du coup pas de détecteur garanti, et pas de ticket free-to-play, il y avait payant bien évidemment 30 je crois machin, mais les free-to-play il n'y en a pas, sauf vous avez des multi, etc. On va y revenir là-dessus, et on a également du coup une réponse de Broadway par rapport au fait que les gens sont chiants avec Froggy, eh bien ils ont mis les dates de Vegeta et beaucoup de instances de DLR, comme ça, pas de doute, c'est le 31 juillet. Voilà, bon, pourquoi pas, dans une semaine, c'est cool, voilà, comme ça, on le sait, au moins, il n'y a pas de « est-ce que ça arrive bientôt, dans longtemps, machin, voilà », pas de problème à ce niveau-là. Du coup, portail demain à 7h, voilà, pas de souci. Et du coup, on arrive donc à ce qui est important, c'est le portail de Beast. Alors, vous le savez, on a un nouveau format en P1, qui du coup met en valeur leur détecteur garanti en 7e multi. Sauf que pour cette partie 2, ça ne sera pas le cas, ça sera l'ancien format du coup, 3 multi, 1 offerte et 100 tickets. Alors on va y revenir, ce papier c'est une énorme doute parce que du coup vous le savez, on a vu donc un nouveau format et Kasoji avait fait un petit tableau où l'on voit que l'ancien format qui est du coup en bleu était plus intéressant en dessous de 250DS et après le nouveau format était plus ou moins équivalent par rapport à un portail avec 3 multi plus 1 offerte et des tickets. Sauf que là, vu qu'on n'a pas de ticket, eh bien le portail de Beast est littéralement, purement, simplement, moins bon. Et oui, petit nerf du portail, mais il faut nuancer ça, parce qu'en fait, je suis revenu du coup au dernier portail où on avait eu du coup Carnaval et Doganfest en face, en partie 2, et eh bien, bah, il n'y avait pas de ticket. Il n'y avait pas de ticket sur les multi qui sont offertes. On avait 3 plus 1, comme du coup le nouveau Beast qui va arriver. Et du coup, bah, techniquement, c'est pas une douille. Techniquement, ils n'ont pas dit qu'en partie 2, on aurait les formats de portail de la partie 1, ils n'ont pas dit qu'il y aurait des tickets gratuits, ils n'ont rien dit. Nous, on s'est dit, logiquement, en P1, on a un portail avec Gogeta et Broly, qui du coup met en avant un nouveau format, ils n'ont pas dit qu'on le rend en partie 2. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir sur le papier, mais quand même, c'est une occasion manquée. Genre... Parce qu'en fait, le truc, c'est quand même une douille. En vrai, c'est quand même une douille, d'à mesure où le nouveau format invite à dépenser plus de DS. Et sans partie 1, qu'on allait plus ou moins skipper. Et en partie 2, on ne nous met pas le nouveau format qui, du coup, invite à dépenser plus de DS, alors qu'on va invoquer énormément sur Beast. On a donc deux formats qui vont complètement à l'opposé de ce qu'on avait prévu de faire. Donc, c'est quand même une douille. Cela dit, voilà, comme on l'a dit, c'était prévu, c'était prévisible. Malheureusement, donc, pas de ticket, 3 plus une offerte. Le portail lui-même ne change pas, a priori. Ça sera comme japonaise, du coup, comme en P1, où pour le coup, on avait la même chose qu'avant. Je vous ai préparé une vidéo, faut-il invoquer, qui sort du coup à 18h. N'hésitez pas à la checker, elle peut être assez intéressante, même si du coup, faut que je réupload, vu que j'avais dit qu'il y avait 7 plus 1 multi, enfin 7 et multi, des détecteurs garantis. Bref. Bon, je ne vais pas faire plus long sur ça, franchement, c'est une douille, mais techniquement, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Autant in game, vous savez, bah, je vous avais dit, dans le bord des yeux, c'était nul. Vraiment, Goku Freezer, c'est nul, ça n'a aucun sens, et ça annonce de très mauvais pour le jeu. Là. Bon, c'est une occasion manquée, en fait, c'est une occasion manquée. Ils auraient pu mettre un peu de générosité, un petit cadeau en plus, mais bon, ils l'ont pas fait. Bon, on va pas forcer pour les 8 minutes. Sur ce, je vous dis ciao, et du coup, rendez-vous pour la vidéo invocation. Du coup, demain soir sur Twitch, on invoque, et après la vidéo invocation sortira samedi. Et faut-il invoquer ce soir à 18h. Voilà, sur ce, je vous dis ciao.